Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est une première. Vas-y. C'est une première, donc comme c'est une première, il y a des petits ratés, on est un peu à la bourre. Mais ce n'est pas grave, on est là. On espère que vous aussi, vous êtes là. Je te laisse un petit peu expliquer ce qu'on fait ensemble ce soir. Oui, bien sûr. Alors, on a avec Nash et notre startup LightMeUp décidé de s'occuper un peu pendant ce deuxième confinement et essayer de mettre un peu d'animation. Et donc, pour ça, on a décidé de créer ces pitch battles pour que les startups puissent rencontrer des investisseurs, des CEO et puissent finalement avoir l'occasion de pitcher, de présenter leurs projets et surtout d'avoir du feedback. Alors, avant de commencer et de te laisser la parole, je voudrais remercier Guillaume Dumortier qui nous a donné cette complètement folle idée, qui nous a fait beaucoup travailler jusqu'à ce soir pour cette première, et puis aussi Sista, avec qui Simon nous a introduit et qui finalement ont été les premiers à nous soutenir dans celles qui vont suivre. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que tous les mercredis, on va se donner rendez-vous. Tous les mercredis, on va avoir un jury paritaire. Et on va essayer d'avoir aussi des startups que des femmes ont montées, que les femmes défendent, parce que c'est un petit peu notre veine. Et comme je le disais encore il y a quelques minutes, avant la prise d'antenne, j'adore, ça me rappelle mes années télé, à Simon, finalement, de toute manière, moi je vis avec 4 filles et une femme, donc c'est bien la moindre des choses que de rendre l'appareil durant ce type d'événement. On va peut-être passer au jury, tant que rien ne serait possible. Je vais Bonjour commencer Stéphane. par Stéphanie, Stéphanie Hospital, One Rack Time, France Digital, dont le cœur balance entre Station F et Station des Alpes. Est-ce que Stéphanie, tu peux te présenter en quelques mots? T'es en mute, Stéphanie. T'es en mute, Ah oui. Stéphanie. Tu pars, autant pour moi. C'est une Voilà, première. bonjour à tous. Bonjour à tous, autant pour moi. Merci Elodie et Nash pour cette belle initiative et de nous accueillir ce soir. Donc moi, je suis investisseuse mais aussi entrepreneuse puisque après un parcours corporate, j'ai créé One Rack Time, qui est un fonds d'investissement qui investit assez tôt dans des sociétés tech pour les accompagner sur des séries A, séries B. Et notre différenciation, c'est qu'on s'applique à nous-mêmes ce qu'on demande à nos entrepreneurs, c'est qu'on développe une plateforme tech, une communauté d'investisseurs, un modèle innovant pour pouvoir se développer encore plus vite qu'on ne le ferait sur un modèle classique de fonds. Donc, merci à tous et hâte d'écouter vos pitchs. Merci beaucoup Stéphanie. Et puis donc, Simon Davla, qu'on ne présente plus non plus, CEO de Batch. Simon, si tu étais une notification, tu serais laquelle? Ah, ce serait une notification que mon colis a été livré. Non, bah, blague à part, présente-toi en 2 mots. Yes, bonsoir. Bah, écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je m'appelle Simon Davla. Je monte des boîtes sur Internet depuis que j'ai 17 ans. Ça fait donc presque 20 ans que je travaille en ligne. J'avais créé App Gratis que les anciens ont peut-être connu. Depuis 5 ans et demi, je suis à la tête de Batch.com, qui est une plateforme de communication pour les marques et les médias, qui les aident à communiquer avec leurs clients dans la nouvelle engagement economy au travers des notifications push. Et par ailleurs, depuis 8 ans, je suis business angel dans une trentaine de startups entre la France et les États-Unis dans des secteurs aussi variés que le SaaS, le mobile, les health tech, pas mal de marketplace et quelques boîtes qui font de la techno fondamentale. Et d'ailleurs, je crois qu'avec Stéphanie, nous sommes en ce moment ensemble dans une société qui se prépare à vivre un bel événement. Voilà qui je suis. Merci beaucoup, Merci. Simon. Du coup, moi, je vais vous rappeler rapidement les règles de cette première pitch battle. Donc, allons accueillir 3 startups ce soir. Pour chaque startup, vous avez 10 minutes pour pitcher, pour présenter votre projet. Ce n'est pas plus de 10 minutes, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, on vous coupe. Donc, essayez d'être un peu plus, enfin, d'être bien dans le timing. Et ensuite, il y aura 10 minutes de questions-réponses. Voilà, auquel Stéphanie et Simon vont vous poser des questions. Et à la fin, on laissera définir peut-être le coup de cœur de cette soirée pour terminer la soirée. Voilà, Nash, si tu veux présenter Alors, la première startup, les trois vas-y. startups qui vont passer ce soir, et le tirage au sort a donné un ordre qui ne laisse pas l'honneur aux dames, je suis désolé. Le premier, ce sera Jamel avec Uway qui va passer, nous présenter une startup de la mobilité. En deuxième, nous aurons Samar qui va nous présenter Aliatech.
Enfin, nous aurons Pierre et Thomas qui nous présenteront Kipoya, qui est une EdTech. Oui, parce que AliaTech est dans la santé. Et Kipoya Pierre, et Pierre et, voilà. Et Thomas, que tu as perdu peut-être quelque part, je ne sais pas, qui est là. Ah, c'est voilà. Là, voilà, excuse-moi. Kipoya, qui est une EdTech d'un genre nouveau, j'en dis pas plus. On va commencer tout de suite avec Jamel. Jamel, tu as donc 10 minutes ou moins de 10 minutes, c'est encore mieux, parce qu'après l'idée c'est que tu profites au maximum de nos jurys, j'aime pas ce mot-là, mais pour bénéficier de leur retour. Je te laisse partager ton écran. Je crois que tu es en mute, John. Et tu es encore en mute. Ah, c'est bon, ça y est. Bonjour. Alors, mon écran, est-ce que c'est bon ? C'est bon. C'est les aléas du direct. C'est bon. Voilà. Merci. Donc, bonjour à tous, ou bonsoir, vu l'heure. Donc, que vous soyez citadin pressé qui recherche l'efficacité ou étudiant qui veulent faire des économies, UA, c'est l'application de comparaison et de réservation d'offres de transport du quotidien. Donc, nous sommes trois associés, donc CEO, Kamel est le CEO, qui a plus de 15 ans d'expérience dans le consulting en système d'information. Moi-même, qui a plus de 15 ans d'expérience dans le développement web, donc je m'occupe de toute la partie technique. Et j'ai passé 7 ans chez WeSNCF, et où j'ai développé en l'occurrence IDCAB, leur solution porte-à-porte SNCF. Et Khalid, qui a créé déjà une première start-up qui a été rachetée par Booking et qui travaille sur la stratégie. Donc d'habitude, je demande à mes interlocuteurs via quel mode de transport ils sont venus. Donc là, on va faire un peu autrement, donc une mise en situation. Donc vous arrivez à la Défense en train et vous devez repartir à Courbevoie pour un rendez-vous. Sauf que le temps qui vous reste, vous savez que vous ne serez pas à l'heure à votre rendez-vous. Donc là, il y a deux types de profils. Donc soit vous vous dites, je vais prendre un VTC, vous lancez votre application Uber. Donc là, vous ne savez pas si c'est l'offre la moins chère, si c'est l'option la plus adéquate pour vous. Et vous payez dans la précipitation. Ou bien, vous avez déjà deux, trois applications de VTC. Donc là, vous allez regarder les lancer pour voir s'il y a un chauffeur, celui qui propose le chauffeur le plus proche ou le moins cher, ou les deux. Ou bien, vous allez vous dire peut-être qu'il y a des trottinettes dans le coin ou des vélos. Et donc là, vous allez essayer de regarder et voir si ce n'est pas plus intéressant pour arriver à votre rendez-vous. Mais pour ça, donc, ça implique d'avoir identifié les applications, de les télécharger, de créer un compte, de le valider, d'ajouter sa CB, de faire la configuration pour seulement enfin avoir un devis. Et ça, il faut le faire pour chaque application. Donc, arrivé au bout de la quatrième, ça devient vite long et fastidieux et ça prend de la place sur le téléphone. Donc, UA permet de centraliser l'ensemble des offres. Donc, elle centralise tout ce qui est taxi VTC, vélo, trottinette, autopartage, covoiturage et transport en commun. L'utilisation se fait de manière assez simple, donc il y a trois étapes. Vous indiquez votre destination. UA va faire l'ensemble des recherches auprès des différents opérateurs qui sont disponibles autour de vous. On vous remonte les résultats et là, vous pouvez les trier soit en fonction du prix, soit en fonction du temps d'approche ou de la distance pour tout ce qui est vélo, trottinette et autopartage, ou par rapport à l'impact carbone. Donc, on a un système de petites feuilles qui permet, en un coup d'œil, de voir quelle est l'offre la plus écologique. Et la dernière étape, donc c'est la partie réservation. Là où réside notre innovation, c'est que le paiement se fait directement dans une seule et même interface. Donc, plus besoin d'avoir à télécharger 15 applications. Tout se fait directement dans UA. Donc, ça permet de simplifier l'expérience utilisateur. Donc, on n'a pas à jongler entre plusieurs applications pour essayer de comparer et surtout avoir des idées justement d'offres de transport qui sont disponibles auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc, gagner du temps et ça vous permet aussi de gagner de l'argent en trouvant les meilleures offres d'un point de vue économique. En termes de concurrence, donc sur la concurrence directe, aujourd'hui, comme je le disais, notre point de différenciation, c'est surtout le paiement. Donc, on ne fait pas de redirection sur les applications des opérateurs. Donc, tout se fait directement dans UA. Et pour ce qui est de la concurrence indirecte, donc il existe des offres qu'on appelle multimodales. Donc, ils vont proposer différents modes de transport. Mais notre différenciation, c'est le fait d'être multilocal et de proposer pour chaque mode de transport différents opérateurs pour avoir justement le choix et trouver l'offre qui nous correspond le mieux. Et pas uniquement un partenaire exclusif sur chaque mode de transport.
En termes d'opportunités de marché, donc aujourd'hui, on est sur un marché de la, enfin, le marché de la mobilité représente 50 milliards dans le monde. Si on se concentre uniquement sur la France, sur la partie taxi VTC, alors hors Covid, on a plus de 400 000 trajets par jour, ce qui représente 4 milliards sur un an. Et les projections de croissance sont de 10% jusqu'en 2025. Notre business model est assez simple. Donc on prend une commission sur chaque transaction auprès des opérateurs. Donc pour les utilisateurs de l'application, c'est complètement gratuit. Les prix qui sont affichés correspondent exactement à ceux qui sont appliqués par les différents opérateurs. On travaille également sur un modèle entreprise. Donc là, en ce moment, on est en discussion avancée avec un grand groupe européen dans l'aérospatiale pour une première expérimentation. Et donc, on va mettre au point donc, ce qu'on appelle une marque blanche pour gérer leur mobilité interne et externe via une application qui sera personnalisée au nom de l'entreprise. En termes de projection financière, donc, bon, là, en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, sur l'année prochaine, on vise 0,2% du marché. Donc, ça représente 8 millions, soit 11. Jamal, je crois qu'on t'entend plus. Simon, tu m'entends pas? Stéphanie, moi, vous m'entendez? Moi, je t'entends, mais j'ai plus le pitch. Jamal est parti. Jamal est parti, je crois. Tu m'envoies un texto? On va te reconnecter. Moi, je le vois, mais il a frisé. Attends, je vais... Et le pitch, en revanche, je ne l'ai plus. Tu vois, Samar, c'est les aléas du direct dont tu me parlais tout à l'heure. J'ai dit, mais non, ça ne va pas arriver. des années à former Yann Barthès et Michel Drucker, et voilà ce qui nous arrive. C'est ça. Alors. Bon, si on n'a pas Jamel d'ici une petite minute, on va passer à une autre startup. Ouais. Parce que je pense qu'il a un pépin de réseau, pour le coup. Samar, tu es prête à dégainer au cas où? Je te mets le son, vas-y, tu peux parler. Ok, oui, je suis prête. Ça vous embête pas qu'on passe à une autre startup? C'est parfait. Ok, ah, bon, nickel pour moi aussi. Allez, c'est bon, on y va, ça marche. Ça marche, les aléas du direct, c'est à toi de jouer. Ok, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est en train de charger, c'est bon pour vous? C'est en train de le passer. Ouais, voilà. Ça arrive. Ok, vas-y. Okay, on y va. Donc, je vais commencer par vous raconter une anecdote personnelle qui m'est arrivée lorsque j'étais étudiante. Durant mon cursus en tant qu'ingénieur en technologie de l'information pour la santé, eh bien, on avait plusieurs stages d'immersion à faire dans le milieu hospitalier. Et l'un des stages que j'ai eu à réaliser, c'était dans le pôle anesthésie et réanimation du CHU de Grenoble. Et lors de mon premier jour de stage, je passe par la salle de réveil. Et là, il y a une infirmière qui vient vers moi parce qu'une des patientes de ce service qui veut se réveiller après son opération, ne pouvait pas parler, communiquer avec l'équipe médicale. C'était une dame un peu âgée qui ne parlait qu'en arabe. Et ils m'ont demandé, en fait, ils m'ont demandé de traduire pour elle. Mais comme je ne parle pas très bien l'arabe, eh bien, j'ai pas pu vraiment les aider et c'était assez frustrant. 1 sur 5. Un patient sur 5 évoque la barrière langue comme obstacle lors de l'accès aux soins. Et ça, c'est la Haute Autorité de Santé qui le dit dans un rapport de 2017. Bonjour à tous, je m'appelle Sam Agaloussi et je suis data scientist depuis maintenant 6 ans. Et je vais vous présenter la startup Aliatech dont je suis la fondatrice. Donc, les problèmes de communication ont un impact sur la qualité des soins. La barrière de la langue peut avoir des conséquences directes sur la prise en charge avec un renoncement aux soins médicaux chez certains patients qui ne parlent pas ou peu le français, des entretiens médicaux plus longs, un risque d'erreur médicale de 30 à 60% plus élevé et une majoration du nombre d'hospitalisations et d'analyses. En effet, selon une étude canadienne, un patient qui ne parle langue du soignant a 70% de chances en plus d'être admis à l'hôpital.
Et ce nombre d'admissions va diminuer si on fait appel à un interprète. Les interprètes professionnels, ils ne sont pas disponibles 24 heures sur 24 et leur coût est assez élevé. C'est entre 25 et 30 euros pour 15 minutes d'interprétariat. Dans la plupart des cas, on va demander à quelqu'un qui connaît plus ou moins la langue du patient de faire la traduction. Donc ça peut être par exemple une personne de l'équipe médicale qui a une double culture et qui connaît bien, qui peut aider, ou bien donc, un accompagnateur de la famille du patient. Mais là, il n'y a aucun moyen de savoir si ce qui va être traduit au patient reflète vraiment ce qu'a voulu dire le praticien. Vérifier si l'information transmise est bien correcte. Dans d'autres cas, on va utiliser des services de traduction en ligne, comme Google. Donc, ils sont certes performants, mais ce sont des systèmes de traduction généralistes. Donc, ils ne prennent pas en compte le contexte médical. Et donc, il y a des ambiguïtés de sens qui peuvent amener donc à des erreurs de traduction qui vont être dues à une mauvaise interprétation du contexte. Par exemple, lorsque vous traduisez « au revoir » en ourdou avec Google Trad, ben en fait, c'est traduit comme une sorte d'adieu, un au revoir douloureux. Comme si la personne allait mourir ou si elle allait disparaître. Donc, imaginez le stress d'un patient pakistanais à qui vous voulez seulement dire au revoir avec Google Trad. Alors, donc, notre innovation, ça consiste à digitaliser l'interprétariat médical en regroupant dans un seul et même outil la connaissance de plusieurs langues et dialectes. Donc, la solution qu'on propose, c'est un assistant vocal, interprète médical, qui traduit instantanément les questions du médecin dans la langue natale du patient, en prenant en compte le contexte médical, mais aussi la culture du patient. Et donc le praticien peut ainsi mieux prendre en charge ses patients étrangers, gagner du temps et de l'efficacité, et surtout éviter des erreurs médicales. Alors, concernant la concurrence, elle est regroupée en trois grandes catégories. Donc, on a les services de traduction en ligne, qui sont gratuits, mais qui ne sont pas spécifiques au domaine médical. On a les centres d'interprétariat, donc ici, qui là, pour le coup, prennent en compte le contexte médical parfois, mais par contre, qui coûtent très cher. Et les applications, celles-ci, des applications qui lisent des phrases médicales donc, qui sont souvent proposées par des questions que pose le médecin. Mais là, pour le coup, c'est que ça oblige le praticien d'aller suivre dans une liste de questions prédéfinies, à choisir sur les choix, sur la petite sélection qu'ils peuvent avoir. Et ça ne prend pas forcément en compte l'audio aussi. Donc en fait, la quatrième catégorie, ben, c'est un mix du meilleur de ces trois autres catégories. Notre modèle économique, eh bien, c'est son de frais d'abonnement, avec une offre standard pour les utilisateurs occasionnels, un premium à 149 euros pour les utilisateurs plus réguliers et une offre sur mesure pour les établissements hospitaliers. Alors, il y a 12,3% de la population française qui est née à l'étranger, soit 8,2 millions de personnes. Ça, c'est une statistique de l'INSEE. Et en France, il y a peu de professionnels de santé. Donc, si on cible juste 0,1% du marché, soit 2230 utilisateurs à 149 euros, donc l'abonnement premium, eh bien là, le chiffre d'affaires sera estimé la première année à environ 4 millions d'euros par an. Donc, concernant notre roadmap, donc, on a réalisé en avril 2019 notre premier POC avec un apprentissage basé sur 48 phrases issues de l'entretien médical et disponible dans plusieurs langues. Et grâce au retour de nos tests utilisateurs effectués avec des professionnels de santé qui nous accompagnent, on a pu enrichir au fur et à mesure notre base de données. Et donc, on a développé une application qui actuellement est testée sur 4 terrains d'expérimentation avec la Croix-Rouge. Donc, on a le DMSE, donc dispositif mode de soutien aux exilés à Calais, le BRACE avec le centre de rééducation fonctionnelle qui est situé à Hameau, et deux SSR soins de suite et de réadaptation, qui sont celui de Margency et de Bourg-en-Bresse. On est en train aussi d'effectuer une mesure d'impact, donc avec la Croix-Rouge qui se termine mi-janvier 2021, et
Et donc, ça va nous permettre d'avoir une évaluation fiable pour avoir une commercialisation qui pourrait débuter, donc, qui pourra débuter en mars 2021. Et maintenant, je vais vous faire une petite démo en direct. Alors, donc notre service est disponible donc, sur smartphone, Android et iOS via une application qui s'adresse surtout donc, aux professionnels de la santé. Et donc, là, je vais commencer par lui dire pourquoi êtes-vous venu aux urgences ? Why have you come to the ER? Après, on peut lui dire où est-ce que vous avez mal ? Where does it hurt? On peut continuer comme ça assez long, parce qu'on a, on a là 900, plus de 900 phrases en fait. Dans l'apprentissage, on a aussi plus de 60 langues et dialectes qui sont en cours d'enrichissement. Et donc, ce qu'on propose, c'est vraiment déjà une disponibilité 24 heures sur 24, confidentialité, puisque du coup, on n'a plus besoin d'une tierce personne dans la salle de consultation, et donc plus besoin de. Enfin, ça donne vraiment la relation patient-médecin est améliorée, aussi la qualité. Donc, on propose des traductions qui prennent en compte le local et culturel, la fiabilité et la transparence, puisque, comme vous le voyez ici, donc ce que j'ai dit, en fait, c'est où est-ce que vous avez mal, par exemple. Et donc, il y a une reformulation de Aliatech qui montre que Aliatech a compris. Donc, pouvez-vous me montrer où vous avez mal. Et ce qui est traduit ici, c'est le pouvez-vous me montrer où vous avez mal. Donc, du coup, on a une totale transparence. Et donc, ce qu'on propose, c'est un service qui s'améliore constamment grâce aux données recueillies. Et plus le service est utilisé, plus il sera intelligent et pourra reconnaître de nouvelles expressions. Et on développe aussi une plateforme en ligne pour que nos contributeurs puissent aussi proposer de nouvelles traductions. Voici notre board médical avec les experts métiers qui nous aident régulièrement sur le projet afin de rester toujours proche du terrain. Et notre volonté, c'est de démocratiser l'accès aux soins en mettant la technologie au service des plus vulnérables. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sama, pour cette présentation. À 15 secondes près, parfait. 15 secondes près, bravo. T'as bien tenu le... Ça n'a pas buzzé. Le timing. On va donner la parole à nos... Redonner la parole. Nos invités du soir. Invités de ce soir. Alors, Stéphanie et Simon. Est-ce que je peux vous mettre tous les deux à l'écran ? Je vais essayer de faire ça, ce serait bien. Je pense qu'il faut que je mute les autres, en fait. Stéphanie, est-ce que tu veux commencer peut-être ? Oui, alors déjà merci Sama pour ce beau projet et cette belle exécution. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur là où tu en es du développement technologique et comment tu fais aujourd'hui ? Parce que tu as parlé beaucoup du produit, de l'application, un petit peu moins de comment tu avais démarré, quelles étaient les personnes qui t'accompagnaient au niveau des développement, quelles étaient les prochaines étapes. Donc, j'aimerais beaucoup comprendre ça. D'accord. Alors, j'ai commencé le projet, en fait, c'était vraiment 2019, en fait, début 2019. Donc, avec une première équipe, en fait, c'est que moi-même, en tant que data scientist, ce que j'ai pu faire, c'est travailler moi-même sur l'application au départ. Pourquoi ? Parce que justement, le but, c'était de pouvoir avancer le plus vite possible. Et quand on est développeur, c'est top. Ça m'a permis en fait d'avancer sur directement en fait sur le besoin que j'avais à ce moment-là. Donc, tout d'abord, première chose à dire, c'est que les développements d'applications mobiles, de type plutôt chatbot, c'est mon domaine. J'ai une expertise en fait plutôt côté NLP, donc traitement automatique des langues. Donc pour moi, ça c'était un challenge, certes, puisque derrière il y a une grosse techno, mais c'était vraiment mon domaine. Ensuite, j'ai dû, pour industrialiser ça et en faire une application, créer une application mobile. Et là, encore une fois, j'ai moi-même développé l'application pour pouvoir l'avoir le plus vite possible et à moindre coût en quelque sorte. Ensuite, j'ai été rejoint par plusieurs personnes, donc certains ont commencé en stage en fait avec Aliatech et continuent en fait sur le projet, et d'autres beaucoup plus qui sont aujourd'hui beaucoup plus
experts m'aident sur la partie plus sur la partie DevOps et la partie qui plus en amont en fait de la tech. Donc on est une petite équipe de tech, même si au départ en fait c'est que j'ai dû commencer moi-même les développements. Ah, on n'entend pas le, on n'a pas le son. Pardon, merci Sama. Et c'est vrai que c'est dommage dans ton pitch que tu n'aies pas commencé par te présenter ce parcours, ton équipe, parce que ça en soi, c'est vraiment remarquable d'avoir une fondatrice avec le parcours comme toi et la capacité à démarrer seule ce type de projet. Très bien. Je prends ça en note et puis... je vais améliorer ça. Oui, en effet, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler du projet. Mais merci beaucoup pour cette remarque. Yes, vous m'entendez ou pas? Non, ouais, on t'entend. Ouais, je rejoins Stéphanie sur le fait qu'effectivement, c'est important de mettre en avant ton parcours. Parce que déjà, bravo pour le projet et l'état d'avancement, mais il y a effectivement un faisceau concordant extrêmement positif entre ton expérience de terrain et tes capacités de on dit dans le jargon des startups, de doer, donc de personne qui conçoit, mais aussi qui développe elle-même et qui fait avancer les choses. Donc ça, c'est top et c'est à mettre en avant. Les deux points forts que je vois au projet, le premier, c'est qu'il a vraiment... il change vraiment... quelque chose dans le monde en mieux, en positif. Donc, c'est vraiment c'est une belle mission. L'autre point fort, évidemment, c'est que du point de vue de la distribution, tu as a priori peu de barrières à la distribution. Et je dis ça parce que je connais plusieurs boîtes dans le secteur des health tech, soit créées par des amis, soit dans lesquelles j'ai investi, sur lesquelles, évidemment, le point d'achoppement, c'est toujours la distribution au sein de l'hôpital ou au sein du monde hospitalier. Parce que les réglementations sont extrêmement complexes et que c'est très dur de s'insérer dans la chaîne de valeur. Donc, toi, tu as un produit qui rentre en fait, qui peut rentrer dans l'ensemble de l'hôpital sans avoir besoin de 500 000 homologations. Ça, c'est bien. Mais du coup, ma question pour toi, c'est quel est ton plan de distribution? Comment est-ce que tu comptes mettre ton produit dans les mains des bons utilisateurs, des gens qui en ont besoin? Ok. Alors, pour ça, on a notre premier persona, en fait, j'ai envie de dire, celui qu'on a vraiment analysé, ça va être l'interne en médecine. Pourquoi l'interne en médecine? Déjà parce que, il est jeune, il s'y connaît en technologie, tout ce qui est un peu technique, en fait. Avoir une application sur son téléphone ne lui pose pas de problème. Et surtout, en fait, c'est qu'ils bougent beaucoup, ils ont beaucoup de travail, et puis ils bougent beaucoup d'hôpitaux en hôpitaux tous les 6 mois, en fait, en fonction des stages d'internat qu'ils ont. Et du coup, ça permettra de faire connaître, c'est un peu comme, ça sera un peu du bouche à oreille, ça permettra de faire connaître l'application à toute l'équipe médicale qui travaille autour, et donc de laisser une trace. Et surtout, en fait, ce sont pour nous nos premiers ambassadeurs. Donc, si la techno leur plaît, en fait, ils vont non seulement en parler, l'utiliser devant les autres, en parler, et surtout, le but par la suite, c'est d'atteindre les décideurs, donc là pour le coup les chefs de service entre autres, qui si eux sont convaincus en fait par la technologie, en fait ça va être beaucoup plus simple de convaincre en tout cas l'hôpital d'utiliser, de déployer la technologie sur tous leurs salariés. Ok. Tu estimes à combien ton marché adressable? Et alors, est-ce que t'as pas au-delà des hôpitaux des marchés adjacents qui peuvent être plus gros que ton marché de démarrage? Alors, le marché de démarrage, il est intéressant dans le sens où il y a un ROI vraiment qui est à leur avantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, on est obligé, enfin, c'est qu'il y a une obligation de soins qui fait que de toute manière, ils sont obligés de faire appel à des interprètes. Ces interprètes ont un budget, en fait, qui est vraiment colossal. Et pour le coup, le fait de proposer une application qui permet de régler on va dire une grande partie des problèmes de traduction, déjà eux ça va leur coûter beaucoup moins cher, ils vont faire énormément d'économies à la fin, et du coup ça sera beaucoup plus simple de les convaincre en fait, puisque du coup ils vont non seulement profiter d'une nouvelle technologie, mais en plus économiser de l'argent. Après il y a d'autres marchés en effet, mais dans la mesure où ces marchés là ils sont pas forcément, ils n'ont pas une, c'est pas comme s'ils avaient autre chose qui leur coûtait beaucoup plus cher qu'ils utilisaient déjà. Il va falloir les convaincre autrement en fait, notamment par exemple les médecins libéraux.
C'est une possibilité, seulement ça va être du B2C. Et du coup, les convaincre un à un, ça prendra plus de temps. D'où la raison, en fait, d'où le fait de plutôt se consacrer au B2B au départ, du moins avec ceux qui ont déjà des coûts là-dessus. Voilà. Le but, c'est vraiment d'aller vite avec ça. Mais par contre, je suis vraiment ouverte. Hein, si vous connaissez d'autres marchés qui pourraient être super intéressants, ben, on pourra en discuter avec grand plaisir. T'en es où de ton projet aujourd'hui? Tu recherches des financements? T'as déjà des... Où est-ce que t'en es du point de vue du développement de l'entreprise? Alors, d'un point de vue tech, ça avance, même si ça pourrait être mieux, on peut toujours... Mais là, d'un point de vue, on peut commencer à tester l'application telle qu'elle existe aujourd'hui. On a déjà des premiers retours, en fait, avec les utilisateurs qui sont les bénéficiaires de la Croix-Rouge. Puisqu'on a incubé à 21, qui est l'accélérateur de la Croix-Rouge. Le but de notre incubation, c'est de pouvoir tester sur le terrain et de faire cette mesure d'impact qui sera un peu notre document officiel qui montre en fait l'impact de l'application sur la vie des soignants et des soignés. Et du coup, là, on termine ça en mi-janvier. Et après cette phase-là, ben, ce sera beaucoup plus simple de démarcher les hôpitaux. Même si on commence en fait petit à petit à faire ce travail de BizDev, d'aller démarcher les personnes les plus qui seront les plus intéressées pour utiliser la solution, toujours dans une phase de déploiement, de début en fait, de test. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Je ne suis pas trop sûre. C'est très clair. Okay. C'est très clair. Il nous reste une petite minute si vous avez encore des questions. De quoi t'as besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait avancer? Qu'est-ce qui te ferait passer les prochaines étapes? C'est BizDev. BizDev, en fait, c'est déjà en cours. En fait, on est déjà en train de discuter avec plusieurs personnes qui sont experts déjà dans le sujet. On est aussi aidé par SAP for Good, les coachs de SAP qui sont aussi eux-mêmes des BizDev, en fait, et d'autres personnes en fait qui sont expertes dans leur domaine et qu'on va solliciter en freelance pour le début. Donc je dirais que là maintenant, ce qu'il faut, c'est des utilisateurs, des praticiens, des médecins qui souhaitent utiliser l'application. On a déjà un bon panel en fait de bêta testeurs, mais le fait d'avoir plus on a de personnes, plus on aura de bons feedbacks. Je pense que ça, ce sera super utile. Voilà, ça d'un côté, et de l'autre côté, qui se connaissent bien BizDev, de manière à maximiser le potentiel en fait, tout simplement. Puisque pour moi, j'aime beaucoup la tech et le BizDev, c'est un nouveau monde. Je sais qu'il va falloir que je m'y mette et je m'y mets, petit à petit, tranquillement. Mais j'ai beaucoup de choses à apprendre, donc le fait d'être accompagné, c'est super important. Et le fait d'être dans des incubateurs, ben, c'est une base aussi. Et là, donc, on a accompagné par l'incubateur de la Croix-Rouge et aussi de la Ruche. La Ruche avec le programme Les Ambitieuses, Tech for Good. Voilà, qui nous aide aussi avec les compétences nécessaires à ce sujet. Merci beaucoup. En tout cas, ose et n'aie pas de retenue, parce que déjà, même en termes de business développement et de présentation de ton projet, tu te débrouilles très bien. Il faut juste que tu aies encore plus confiance en toi pour affirmer ton rôle d'entrepreneuse. Ça marche. Yes, je rejoins Stéphanie là-dessus. Merci beaucoup, Samar. C'était top. Merci à vous. Merci beaucoup. Et Samar, c'est cool parce que c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on l'observe, Samar. Effectivement, il y a beaucoup d'humilité et parfois c'est un handicap. Un peu trop. Révèle l'entrepreneuse qui est en toi, tu vois. Tu l'assumes. Tu peux rester avec nous si tu le souhaites jusqu'au bout et redonner la parole à Jamel qui est revenu. Jamel, je te laisse reprendre là où tu étais. C'est un exercice un peu particulier pour toi, du coup, parce que c'est pas simple, ça, hein, de repartir. Ouais, je suis désolé. 6 minutes. Ok. Voilà, je pense qu'il faut que tu fasses un petit résumé de tout ce que tu as présenté très rapidement et que tu termines tes slides, ok? Un petit résumé, ouais. Alors, dans le bain, quand même. Comment? Que tu nous remettes dans le bain. Là, on était parti dans les hôpitaux, on parlait 17 000 langues. Moi, je vais essayer de faire ça. Non, mais il était un peu... Vas-y, on te laisse la parole.
Ouais, du coup, donc Uway, donc c'est une application de comparaison de réservation d'offres de transport du quotidien. Donc, ça permet de centraliser les offres qui sont disponibles autour de soi. Donc, tout ce qui est taxi VTC, vélo, trottinette, autopartage, covoiturage et transport en commun. Donc, Bon, je vais aller directement là où j'étais arrêté. Tu peux repartager ton écran ? Comment ? Il faut que tu partages ton écran, peut-être. Ah, oui, effectivement, ce sera mieux, oui. On t'a voilà, bizuté un peu, là, sur ce coup-là. Ah, voilà. Non, et puis en plus, c'est la première fois que mon PC plante. Donc, il fallait que ça tombe pendant le live. C'est ça. C'est l'effet démo. Allez, on te laisse y aller. Je crois que ça s'est arrêté à ce moment-là. Donc, je parlais des projections financières. Donc, nous, l'année prochaine, on vise 0,2% du marché. Donc, comme je le disais avant, aujourd'hui, on est sur un marché, en tout cas sur la partie taxi VTC en France, qui représente 4 milliards. Donc, ça correspond à plus de 400 trajets par jour. Et donc, voilà, nous, on vise ce pourcentage. Donc, ça représente 11 000 utilisateurs avec un chiffre d'affaires de 630 000 euros. Dans 2 ans, l'idée, c'est d'atteindre les 4%. Donc voilà, ce qui représente 220 000 utilisateurs et un chiffre d'affaires de 12 millions. Donc un résultat net sur 3,6 millions. Donc pour y arriver, on a deux contraintes. Donc c'est un coût d'acquisition client à 90 centimes et le panier moyen aujourd'hui dans le taxi VTC. Donc au niveau national, on est sur du 25 euros à peu près. Alors aujourd'hui, on travaille avec Germinal justement pour travailler nos messages, les cibles qu'on vise et quels sont les messages qui répondent le mieux. Donc juste avant le confinement, on était à 1,30€ à peu près. Donc voilà, on continue à travailler sur cette partie-là. Et la stratégie d'acquisition client, du coup, comme je le disais, on travaille sur une offre entreprise et l'idée, c'est de pouvoir faire une acquisition à travers l'offre B2B. En sachant que voilà, les utilisateurs donc, auront accès à une application en marque blanche via leur employeur et ils pourront donc l'utiliser pour leur déplacement professionnel, mais également c'est comme ça qu'ils pourront nous connaître et utiliser Uway sur les trajets personnels. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc on a une première version sur Android Taxi VTC. Donc pour l'instant, on est encore en bêta privée. On avait pu lancer une expérimentation au mois de mars. Mais voilà, avec le confinement, du coup, on a dû stopper. Mais on avait eu quelques feedbacks sur lesquels ça nous a permis de travailler dessus. On a une version iOS donc, qui est en cours de développement. Et aujourd'hui, donc, on a signé 6 contrats donc, avec des opérateurs, 4 qui sont en cours de discussion, de finalisation plutôt. Et on a initié une dizaine de discussions avec différents opérateurs, notamment sur toute la partie vélo, trottinette et autopartage. Au mois de septembre, on a lancé une campagne de crowdfunding donc, qui était organisée par KissKissBankBank et Skoda. Donc, initialement, on était parti sur un montant de 4 000 euros et on a fini avec 16 000 euros. Il y avait un concours de pitch qui était organisé, donc on a pu remporter la première place, ce qui nous a permis d'obtenir un accompagnement avec Skoda et 10 000 euros dans la cagnotte. Donc, avec cet argent, donc, ça va nous permettre d'accélérer en fait, les développements, de finaliser la version iOS. On travaille déjà sur la deuxième version qui va intégrer les vélos, trottinettes et autopartage. Donc là, en ce moment, on est sur la partie design, qui est surtout la partie expérience utilisateur, donc qui est vraiment le point clé sur l'application. Et donc voilà, avec cet argent, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et de sortir cette deuxième version dès le début de l'année prochaine. Aujourd'hui, bon, on a plus de 4000 followers sur nos différents réseaux sociaux, 250 personnes qui se sont inscrites pour pouvoir tester l'application en avant-première. Donc, notre ambition, donc, au-delà de l'application, c'est aussi de pouvoir participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, il y a une partie, donc, comme je le disais au tout début, où dans les recherches, on va pouvoir indiquer via des systèmes de feuilles quel est le moyen de transport le plus écologique. On a aussi un bilan qui sera envoyé par mail mensuel
qui permettra donc de faire un récapitulatif de son impact carbone et de proposer en fait de faire de la reforestation via une ONG. Donc en ce moment, on est en cours de discussion avec elle. Donc on part sur LIFE, qui donc sa spécificité donc dans son programme de reforestation permet de favoriser l'économie locale. Donc par exemple à Madagascar, on peut planter des mangroves qui permettent de faire de la rétention d'eau et donc de favoriser la riziculture. Aujourd'hui, bon, comme du coup, à travers tout ce que je vous dis, donc en ce moment, on est plutôt en phase de lancement. Donc là, avec le Covid, ben, on attend un petit peu pour trouver le bon moment pour lancer l'application. Donc, on va lancer des tests de bêta, enfin avec des bêta testeurs, donc en production directement, et faire le lancement. Donc, si tout se passe bien, pour ça va dépendre du confinement, mais voilà, fin d'année, début d'année. Et donc voilà, c'est l'opportunité donc au cas de pitcher mon projet, de gagner de la visibilité. Et puis derrière, bon, je sais, Simon, tu avais organisé un zoom sur la mobilité. Donc si dans vos contacts, il est possible aussi de se rapprocher auprès d'autres acteurs, d'autres opérateurs, j'en serais ravi. Pour conclure, donc notre ambition, c'est de devenir un acteur leader du marché européen et demain, que tout le monde possède, installe uniquement UA, qui serait la seule application de mobilité sur votre téléphone. Merci. Merci beaucoup. Tu as dépassé de 4 secondes, bon, de 25 minutes en vrai, mais ouais, de 4 secondes. Désolé. C'est pas mal. Évidemment, là, on va se taire tous les deux pour laisser parler nos invités. Simon, tu veux commencer ? Yes, avec plaisir. Aujourd'hui, finalement, vous avez une vue précise sur la part de marché que représente chacun des acteurs que vous souhaitez agréger ? Alors, sur la partie taxi VTC, on commence à avoir des métriques intéressantes. C'est un marché qui devient de plus en plus mature. Après, sur tout ce qui est vélo, trottinette et autopartage, voilà, c'est encore assez mouvant. Donc, on voit ça plutôt comme des relais pour conforter en tout cas le business model. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de chiffres pour avoir vraiment une idée précise des parts de marché. D'accord. Et en termes de connectivité technique, je sais que les plus grosses plateformes ont des programmes partenaires avec des accès via API à leurs interfaces, à leur back-end de réservation. On a vu la SNCF qui a annoncé, par exemple, la distribution de CityScoot et Uber au sein de leurs applications multi-travel, hein, l'assistant SNCF. Mais vous vous connectez comment à tous les partenaires ? Par API, pour ceux qui disposent des API. Donc, nous, on ne fait pas de ce qu'on appelle de scrapping. Donc, voilà, c'est vraiment des contrats qu'on fait auprès de chaque opérateur. D'accord. Et pour adresser des acteurs locaux, donc, on est en train de développer un système qui leur permet d'avoir une technologie, puisque aujourd'hui, souvent, dans les régions, ils ont un site internet avec un envoi de mail ou un numéro de téléphone. Et donc, on leur propose aussi une techno qui leur permet d'avoir une application et in fine, de remonter directement dans UA. OK. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas déjà un produit comme le vôtre ? Parce que Uber, ça a quand même 11 ans. Ce marché, il existe depuis un paquet de temps. Cette idée, elle est, si pas dans l'air du temps, elle est relativement simple à avoir. Enfin, je veux dire, les concepts de comparateurs, enfin, même d'agrégateurs, ils existent depuis que le web existe. Et pourtant, j'ai l'impression que pas mal de boîtes ont essayé votre modèle et se sont cassés les dents. Et que si ça devait être effectivement le bon modèle de distribution, probablement qu'il serait déjà plus présent dans nos vies. Pourquoi tu penses que vous allez y arriver et pourquoi tu penses que c'est une bonne idée dans le fond ? Je pense que le point primordial, c'est le time to market. Certains se sont lancés effectivement et se sont cassés les dents. Et je pense que c'était trop tôt. Là, aujourd'hui, on a un mouvement de fond qui est donc le MaaS, Mobility as a Service. Les opérateurs commencent à prendre conscience de ce besoin. Les acteurs se multiplient et sont pérennes dans le temps. Donc, autant il y a quelques années, donc il y a 3-4 ans, ils étaient vraiment réticents par rapport à ça. Aujourd'hui, on voit vraiment la différence. Ils sont ouverts à ce type de solution et ils voient bien que c'est quelque chose sur lequel on va aller de toute façon. Et donc, il vaut mieux être dans la vague que hors,
hors de tout ça. Et donc, bah, tu citais l'assistant SNCF tout à l'heure. Donc, il y a d'autres acteurs comme Transdev, etc., donc, qui sont des plus gros acteurs. Nous, en tout cas, on a une. Je pense qu'on fait ça au bon moment. On a une certaine agilité pour pouvoir faire ces intégrations assez simplement. Il y a une vraie volonté des acteurs aujourd'hui de justement être présents pour gagner de la visibilité grappiller plutôt des parts de marché contre Uber ou comme Lime aussi, qui sont des gros acteurs de mobilité. D'accord. Stéphanie, tu avais des questions ? Jamel, ouais. Un peu monopolisé la parole. Non, je t'en prie. Merci Jamel pour ce sujet. Alors moi j'ai l'impression que tu as un petit peu surestimer la proposition de valeur par l'utilisateur, parce que j'ai toujours du mal à comprendre quelle est la valeur ajoutée apportée par une application d'agrégation versus des applications chez Uber, Taxi G7 ou des nouveaux outils de mobilité qui sont souvent très très bien exécutés d'un point de vue expérience utilisateur. Donc, qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un marché sur ça et comment tu l'as étayé au début ? Alors, moi, j'ai commencé par mon expérience personnelle et puis on a fait toute notre étude de marché, on est allé voir les personnes directement. Aujourd'hui, on ne connaît pas forcément tous les acteurs qui existent, qui sont aussi compétitifs, voire plus compétitifs que du Uber ou les gros acteurs installés. Et puis il y a aussi cette problématique, donc là je parlais de tout ce qui est free floating, donc moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais c'est le cas je pense pour tout le monde, d'avoir l'application par exemple Lime et à côté on a une trottinette Dot, donc il faut aussi installer cette application, derrière le lendemain on va avoir une trottinette Bird, donc ça multiplie les comptes et je pense que les utilisateurs aujourd'hui justement veulent pas avoir à créer X comptes et à laisser traîner entre guillemets sa carte bleue sur différentes applications qu'ils connaissent pas forcément, et donc il y a un vrai manque de visibilité sur ce marché là. Aujourd'hui, on a tous l'habitude de comparer, que ce soit dans l'aérien, l'hôtellerie ou même maintenant les courses. Et aujourd'hui, il n'existe pas justement de moyens simples pour pouvoir faire ces comparaisons. Donc, soit on est obligé de jongler, de switcher entre les différentes applis. Mais comme je le disais, c'est assez limité. On va se contenter de 2-3 applis. Et l'autre point, c'est que souvent, on pense, nous, à un moyen de transport. Donc, par exemple, on va se dire, je vais faire mon trajet en VTC et je vais me focaliser là-dessus. Sauf qu'il peut y avoir d'autres moyens de transport qui sont à disposition autour, qui peuvent être plus rentables ou plus rapides ou plus efficaces. Et donc, l'application, ça va aussi permettre de mettre en avant le fait que, pour tel trajet, là, il y a, je ne sais pas, on a un bouchon, par exemple. J'en ai pour 25 minutes en utilisant un VTC. Alors qu'en marchant 5 minutes de là, je vais trouver une trottinette qui va me permettre d'arriver à mon lieu de rendez-vous en 10 minutes. On ne t'entend pas, Stéphanie. Autant pour moi. Et voilà. Du coup, 630 000 euros de chiffre d'affaires pour une première année d'opération, ça me paraît très, très, très ambitieux. D'autant plus que derrière, pour pouvoir ton application, tu comptes le faire comment ? Alors, je ne crois pas avoir mis 630 000 euros. Je ne sais pas, j'ai vu, c'est un chiffre de 630 à la fin. Ah, c'était le chiffre d'affaires, ouais. Bah ouais. C'est ambitieux une première année, sachant que tu as à faire connaître ton application. Comment tu la distribues, ton application ? Comment tu fais pour la marketer ? Alors nous, on compte vraiment sur la partie entreprise. Donc, on travaille sur cette offre-là aujourd'hui. Donc, on espère remporter le marché avec le groupe européen, ce qui permettra de valider notre offre. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir dupliquer et proposer cette application auprès des employeurs. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez connaissance du forfait mobilité durable. Donc, les employeurs ont la possibilité de proposer à leurs salariés 400 euros. Donc là, ça va être abondé à 500 euros pour l'utilisation de leur transport, que ce soit le transport en commun, vélo, trottinette, autopartage. Donc là, on travaille sur une solution qui leur permet de simplifier l'utilisation de cette cagnotte et de centraliser les factures. Et il y a aussi un enjeu pour les RH, puisque souvent, les employés, étant donné que c'est pris en charge par l'entreprise,
ne vont pas être très regardants sur les solutions qu'ils vont utiliser. Et donc, l'application, donc là, donc il y a toute une partie personnalisation. Mais l'idée, c'est aussi que ce soit un outil pour les RH pour pouvoir faire des économies sur les déplacements professionnels de leurs salariés. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir faire de l'acquisition auprès des différentes entreprises et pouvoir grossir la masse, enfin, le volume d'utilisateurs sur cette première année, comme cela. Merci, Jamel. Est-ce que, Simon, tu as une dernière question ? Peut-être pour Stéphanie, d'ailleurs. Non, moi, c'est clair. Désolé d'avoir dû, que tu aies dû faire ça en deux fois. Non, c'est moi. Mais merci pour le pitch. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à toi, Jamel, pour le pitch. Bravo pour l'adaptation. Ouais. Mais c'est les aléas de notre époque. Il faut s'adapter. Direct, exactement. Ouais. Alors, on va changer complètement d'univers. Pierre et Thomas sont là ou pas ? Ils sont là, tu leur donnes la parole. Si tu ne leur donnes pas la parole, ils ne vont pas pouvoir parler. Mais alors, ils ont la parole. Voilà, Pierre, là, et Thomas, coupes. J'arrive. Hop, voilà. Vous m'entendez ou pas ? Ah, voilà. On vous entend, c'est bon. Ok, super. Il va falloir partager en tout de suite. Et donc, c'est pour la startup Kipoya. C'est ça. On part à l'école. Allez. C'était bien l'école. Je vous laisse partager votre écran et en même temps, quand vous l'aurez partagé, je lance le chrono. Donc, j'attends que ça soit partagé. Est-ce que là, vous voyez mon écran ? Alors, l'écran. Oh ouais, c'est bon. On a deux écrans. Ouais, c'est bon. C'est bon ? C'est bon. Je te le mets en spotlight. On l'a. Pierre ? Alors. Ok. Je t'en prie. Eh ben, du coup, merci de nous écouter ce soir. Donc, on va pouvoir vous présenter notre startup Kipoya. Donc, c'est une startup dans le monde de l'éducation. Vous m'entendez bien ? Yes. Moi, ouais. OK. Et en fait, ouais, OK, c'est un projet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur avec Thomas parce que c'est un projet qui est né de nos expériences personnelles. Par exemple, moi, en fait, mon père avait l'habitude de me confisquer les manettes tant que je n'avais pas fait mes devoirs. Et du coup, résultat, j'ai quand même eu de bons résultats scolaires. Et en fait, il s'avère que cette stratégie qu'il avait sur les consoles de jeux vidéo à l'époque, bah, il faudrait peut-être l'adapter maintenant au monde d'aujourd'hui. On va parler tout simplement de chiffres. Aujourd'hui, il y a 3 millions de smartphones dans la poche des collégiens. C'est à peu près 2h40 passées chaque jour dans la poche, passées chaque jour sur les applications de réseaux sociaux. Et c'est à peu près le même temps pour les applications de jeux en ligne. Alors forcément, il y a des parents qui sont mécontents, hein, un peu comme l'histoire de mon papa, et ça crée des conflits au sein de ces familles. Et parmi les solutions qui s'offrent à eux, bah, c'est soit confisquer le téléphone, soit jeter le téléphone par terre et le casser, ou alors le menacer à la limite de l'accompagner à l'école en l'appelant petit bout de chou devant ses camarades. Mais voilà, tout ça pour vous dire que nous, on a voulu en fait innover et apporter une solution un peu plus diplomatique entre les parents et les enfants, pour pas avoir besoin de faire toutes ces actions un peu violentes, évidemment. Et on a numérisé en fait un système ancestral, le système de la carotte, en créant l'application Kipoya. Et cette application est la première application de révision quotidienne avec la possibilité pour le parent de verrouiller à distance les jeux vidéo et les réseaux sociaux du smartphone de son enfant tant que des exercices scolaires n'ont pas été réalisés. Voilà. Alors, faut savoir que Kipoya aujourd'hui, c'est quand même trois matières. C'est français, mathématiques et anglais, du CM1 à la troisième. C'est plus de 17 000 questions sur 200 notions. Donc, on a quand même bien avancé. Alors, du point de vue de la concurrence, évidemment, on n'est pas les premiers sur le monde du soutien scolaire numérique. Il y a ceux qui font du manuel scolaire numérique comme Cartable, de la vidéo de cours en ligne comme SchoolMove ou du chatbot interactif comme Yokimi. Mais en fait, donc tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'innovation qui se fait sur le marché du soutien scolaire numérique, mais à côté de ça, on a quand même une baisse du niveau scolaire. Je vous rappelle que la France a perdu 7 places au classement PISA, hein, et je pense que tout le monde est conscient ici qu'il y a une énorme baisse, par exemple, du niveau d'orthographe des Français, malheureusement. Mais en fait, je vais vous donner un autre chiffre qui va vous éclairer sur la raison, c'est que devant toutes ces applications numériques, dans 90% des cas, l'enfant il est tout seul devant son application, avec personne pour le forcer à l'utiliser ou l'encourager à l'utiliser tous les jours. Et donc nous, notre principale différence par rapport à toutes ces autres applications, c'est notre fonction de verrouillage.
parce que c'est grâce à celle-ci qu'on est la seule application à garantir un travail régulier, donc quotidien. Et quand on travaille quotidiennement, vous savez que c'est forcément efficace. Alors, je tiens à préciser quand même que la fonction de verrouillage chez nous, ça n'a pas un aspect punitif du tout. Les sessions de Kipoya durent entre 5 et 10 minutes et ça traite à peu près 30 questions. Okay, et c'est chaque jour, donc quotidiennement. Donc voilà, ça a vraiment un aspect pédagogique. Voilà. Ensuite, sur notre application, les informations qu'on donne aux parents sont beaucoup plus pertinentes, tout simplement parce que l'enfant, il est verrouillé, il est obligé de se concentrer dans son exercice au risque de ne pas pouvoir déverrouiller ses applications. Et donc forcément, le niveau est beaucoup plus précis quand on le donne aux parents sur son écran. Il y a un renouement du dialogue autour des révisions. Le parent est acteur, c'est lui qui paramètre les sessions, qui va voir avec son enfant quand est-ce qu'il veut faire ses révisions quotidiennes. Et évidemment, en plus, forcément, il faut qu'il parle avec son enfant parce que son enfant va quand même faire en moyenne entre 50 et 180 questions par semaine, ce qui est largement supérieur à d'autres applications concurrentes. Donc, il va falloir s'organiser avec lui et lui faire comprendre que voilà, c'est juste des petites révisions quotidiennes à entrer dans son emploi du temps. Enfin, c'est évidemment rentable pour le parent parce que forcément, l'enfant, il est obligé de l'utiliser. Donc, c'est un bon investissement. Et c'est aussi une application qui s'avère utile pour les professeurs. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus loin. Quoique non, je vais revenir tout de suite. En fait, grâce à cette application, on a réussi à faire en sorte que le smartphone devienne un outil efficace au service de la pédagogie. Et donc, j'ai dit que c'était utile à l'école, tout simplement parce que, en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait, vu que l'information était beaucoup plus précise sur le niveau des élèves, ça pouvait être utile aux professeurs des écoles. Et du coup, on a réussi à créer un partenariat au tout début avec une école dans le 93 qui nous a fourni les 50 premiers testeurs. Ces 50 premiers testeurs ont testé l'application pendant 6 mois. Et après ces 6 mois, l'école, après des retours positifs de la part de ses parents, l'école a accepté de mettre en place, du coup, pour la fin de l'année, Kipoya pour l'ensemble de l'établissement, c'est-à-dire 800 collégiens maintenant. Et aussi, petite information, pour 2021, on a déjà aussi notre premier client dans une école du 18e arrondissement de Paris, avec 400 collégiens cette fois-ci. Donc là, c'est la moitié de l'effectif pour l'instant. Et voilà, je laisse Thomas prendre la suite de la présentation. Merci Pierre. Bon, alors Pierre et moi, vous nous connaissez maintenant un peu, on a fait les mêmes écoles de commerce. Mais bon, pour arriver jusqu'ici, on a dû s'entourer et on s'est plutôt bien entouré. Notre première rencontre, ça a été celle de Tanguy Dulon, qui est ingénieur en informatique, diplômé de sciences cognitives et passionné de pédagogie. Tanguy a le rôle de CTO chez nous. C'est un ancien de chez Thales. Il a 20 ans de plus que nous et on voit ça comme 20 ans d'expérience en plus. C'est une vraie chance. Deuxième rencontre et pas des moindres, celle de Mickaël Journeau, qui est l'ancien vice-président marketing de King. Si vous ne connaissez pas King, vous devez connaître Candy Crush, c'est eux qui l'ont développé. Mickaël, à l'époque, gérait 500 millions de joueurs par jour. Il a le rôle de senior advisor chez nous, également investisseur. Il est également le repenti de l'histoire, comme il nous dit souvent. Il s'occupait pendant des années de rendre accro des gens à des puzzles. Maintenant, il va rendre accro des enfants aux devoirs. Après, je pourrais citer également Elisabeth, Alexa et Charles qui viennent de nous rejoindre dans l'équipe. Mais donc, au début, on a testé l'application, comme Pierre vous l'a dit. On l'a testé entre septembre 2019 et février 2020, auprès d'une cinquantaine de familles. En février 2020, on a décidé de son lancement sur les stores. Et depuis ce jour-là, on a eu 350 familles qui ont fait au moins une session. C'est 300 000 questions qui ont été faites par nos élèves dans l'application Kipoya et on compte plus de 100 abonnés aujourd'hui. Petite information complémentaire, on a offert l'application pendant toute la période du premier confinement. Mais bon, comme toute start-up à notre niveau, on a besoin d'accélérer. Et donc, on doit passer par le stade de la levée de fonds. Donc, on recherche actuellement 350 000 euros. On est accompagné par nos amis de We Like Startup. S'ils sont là, on les embrasse. Donc, on a trouvé une partie de ce financement avec eux. On a également trouvé une autre partie d'un financement dit non dilutif via la BPI, 100 000 euros. On a séparé en trois les futures dépenses que vous voyez à l'écran. Je vais détailler un peu plus tard. Donc, 45% en tech et développement, un peu de com et marketing et du contenu. Donc, on va investir en tech et développement pour que Kipoya, fin 2021, soit l'application référente dans le domaine du soutien scolaire. Aujourd'hui, on a deux typologies. C'est du QCM, mais c'est un peu chiant le QCM. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait tendre vers le gaming, vers le jeu. Et on va développer des typologies de jeux pour que les enfants aient du plaisir à rester dans l'application et surtout y revenir le plus souvent possible.
Tendi travaille déjà sur le fait de pouvoir breveter une IA pédagogique horizon 2023. Et on va investir, comme je vous ai dit, dans le contenu. Aujourd'hui, c'est anglais, français, maths. Le but, c'est de couvrir tout le programme fin 2021 du CM1 à la troisième. Et on va faire un peu de com et de marketing pour de l'acquisition, mais également pour augmenter notre notoriété sur les réseaux sociaux et notre présence sur les moteurs de recherche. L'objectif en termes de chiffres, c'est d'abonnement, c'est 3000 élèves fin 2021 et augmenter la rétention de nos utilisateurs. On va finir avec une petite touche d'humour. Vous qui nous écoutez, qui êtes entrepreneur, qui avez des postes à haute responsabilité, dans la vie, il n'y a pas de secret. Pour réussir, il faut travailler quotidiennement et surtout persévérer. Voilà, merci de nous avoir écoutés. On sera ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Super timing. 9 minutes. 9 minutes, parfait. Bien. À vous, Stéphanie Simon. Qui veut commencer ? Encore. On a perdu Simon aussi. Simon, tu nous entends ? Ah. Nous, on ne t'entend pas. Non, on te. Alors, ouais, ça y est. Parfait. Ah, ok. Désolé. Est-ce que tu veux poser la première question ? Ça vient d'où, Kipoya ? Allô ? Allô ? Oui. Oui, le nom. Oui, ça vient de Kido en japonais, qui veut dire enfant, et Oya, parent. Voilà. D'accord. Ok. Et je vois que vous vous comparez pas mal dans la presse à la table. Ouais. Qu'est-ce que qui est pas une énorme boîte. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme leçon de ce comparable par rapport à votre activité? Nos principales différences par rapport à eux. Ouais. Bah en fait c'est déjà de la pédagogie inversée, c'est-à-dire que Cartab va proposer des leçons et après avoir lu la leçon, l'enfant il doit répondre à des questions et il y a généralement une quinzaine de questions sur la leçon. Ce qui fait qu'il peut au bout d'un moment apprendre quand même par cœur les réponses. Nous, c'est inversé, c'est-à-dire que c'est axé sur l'évaluation continue. L'élève va faire des sessions d'exercices et sur les exercices où il a des difficultés, où il n'y arrive pas, il pourra voir après une petite aide pour l'aider à franchir après cette difficulté. Donc, c'est plutôt on appelle ça de la pédagogie inversée. Et pour faire ça aussi, c'est important d'avoir énormément de questions pour pas que l'enfant il apprenne par cœur les réponses. Donc, notre grosse différence aussi, c'est sur le nombre de questions et aussi sur la typologie d'exercice. Cartab propose surtout que du QCM quasiment. Et nous, on va énormément varier avec plus de 8 typologies et le recrutement d'un game designer en janvier. D'accord. C'est quoi le feedback des parents aujourd'hui sur le produit ? Clairement, ils adorent parce que, en fait, notre meilleur exemple, c'est Fenlon. C'était une vraie réussite parce qu'après avoir testé auprès de 50 parents de chez Fenlon, ils ont eu énormément de retours positifs sur le fait que les enfants progressaient énormément. C'est généralement entre 2 et 3 mois où un enfant passe d'une notion à renforcer à une notion assimilée. Et Fenlon, du coup, après ce test, a accepté du coup, de mettre en place sur les 800 collégiens cette fois-ci. Pour du coup combler les lacunes et tout ça, c'est vraiment un super outil. Forcément, par la répétition, on comble facilement les lacunes. Top. Ok, niveau distribution, comment vous réussissez à croître rapidement, ce qui est quand même le notamment dans un secteur un peu compliqué où les plateformes par lesquelles vous distribuez, notamment Apple, sont assez chiants sur les produits à destination des enfants. Même très chiant, on peut dire. Ouais, ouais. On a la chance d'avoir un message qui est assez fort. Petite précision, on a un budget com et pub qui est ridicule. Donc, on en a fait un tout petit peu sur les réseaux sociaux. Avec ce message-là, les parents ont vite tilté, ont téléchargé et utilisent Kipoya. C'était essentiellement de la pub. Après, on va compter sur le référencement. Pour l'instant, on est nulle part au niveau référencement, mais on sait qu'on a un travail de fond à faire dessus qui est important. D'accord. Tout ça va passer par là. Et puis, on a vu,
On a réussi à plaire aussi aux médias. Bon, le premier confinement, juste avant le premier confinement, on a réussi à aller sur BFM, juste parce qu'un de leurs journalistes avait vu qu'on existait, qu'on bloquait les réseaux sociaux, que les enfants devaient bosser avant d'y aller. Un passage sur BFM, ça vous a généré combien de téléchargements ? En 1h50. Et en 3 jours, 350. Alors, on était jeunes, il y avait un ou deux petits bugs qu'on a réussi à corriger. Mais on a réussi quand même à avoir des gens qui sont toujours abonnés, qui sont inscrits pendant cette période-là et qui continuent à l'utiliser. Oui. Top. Ouais, vachement bien. Il y a des acteurs sur votre créneau aux États-Unis, sur des plus gros marchés ? Alors, on a vu il n'y a pas longtemps qu'il y avait un acteur qui avait essayé de faire ça, mais on a l'impression que l'application est en hibernation. On a essayé de l'installer, de l'utiliser, elle ne marche pas. Elle n'est pas alimentée, en termes visiblement. Ils ont une présence, mais rien de fou. En fait, ils ont pris le créneau du contrôle parental. D'accord. Et nous, on a pris le créneau du soutien scolaire. Et donc, en fait, eux, ils sont vraiment purement axés contrôle parental. C'est-à-dire qu'ils le disent ouvertement, c'est une application que les enfants détestent, mais que les parents aiment. Ils le disent ouvertement. Donc, nous, on ne veut pas du tout s'orienter vers un côté punitif. D'accord. Voilà. Je crois qu'on a Stéphanie qui meurt de envie de poser des questions, mais qui n'est pas bloquée dans la room. C'est ça. Attends, lâche-moi. On a du son. Stéphanie, est-ce que tu nous entends ? Si tu peux répondre dans le chat. Moi, je ne te vois pas, en fait. On aura écouté hein, ce soir. C'est ça. On aura perdu coupées. Il n'y a que Simon qui tient la route jusqu'au bout. Ouais, sinon, tu peux nous poser des questions dans le chat. Si tu nous entends, on les pose pour toi. Ah, une petite précision pour toi, Simon. Ouais. Dans certaines familles, on est assez proche de nos parents, en fait. C'est-à-dire, quand on a testé l'application, certains parents voulaient des fonctionnalités qu'on a développées pour eux. Et ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on a fait une application avec des parents et pour des parents. Alors, comment on distribue, Stéphanie ? Pour l'instant, c'était seulement de la pub sur les réseaux sociaux. Et on va travailler sur notre référencement naturel. Ouais. Puis du coup, aussi par le réseau des écoles. Et aussi d'un côté, ouais, un réseau de recherche d'école à fond. On sait que ça plaît au directeur d'école. Normalement, ouais. Du coup, on avait un rendez-vous normalement aller à un stand au salon Educatech, mais il a été reporté malheureusement. Alors justement, moi, excusez-moi, je suis de retour. C'est toujours assez frustrant, cet internet qui freeze. Équipement des zones montagnardes. Ouais. Alors, tous les sujets d'éducation, c'est génial, c'est très enthousiasmant, c'est très utile. Il y a souvent deux problématiques. Un, la distribution, et deux, la capacité à vivre d'une génération à une autre. Comment tu vois ces deux sujets ? Comment vous voyez ces deux sujets, tous les deux ? C'est-à-dire la génération enfin, je n'ai pas compris la deuxième question. C'est de continuer à être attendu par les élèves et parce que tu es un service qui leur parle alors et que ce n'est pas le service qu'avaient les étudiants 2-3 ans avant eux. Donc, c'est un peu le même effet que sur les réseaux sociaux. C'est des services qui vieillissent parfois très mal parce que justement, les nouveaux étudiants, les nouveaux collégiens veulent avoir quelque chose de nouveau. On est sûr d'une chose. C'est qu'on aura toujours besoin de soutien scolaire. On est également sûr d'une autre chose, c'est que le jeu sera toujours présent, jouer. Donc nous, on va lier ça, le jeu et l'éducation, en créant des jeux éducatifs. Et c'est pour ça qu'on va recruter un game designer, pour être systématiquement à la page et à la mode de ce qu'il fait en termes de jeu. Et on va continuer à travailler avec des professeurs qui, eux, sont en première ligne de leurs élèves en classe, et c'est même eux qui nous font le contenu. C'est comme ça qu'on va essayer de s'adapter mois après mois et année après année. Complètement. Et puis, il y a un moment, par exemple, là, dans notre école partenaire, ils intègrent Kipoya à leur évaluation. Donc, quand c'est le professeur qui demande aux élèves de faire des exercices de rattrapage scolaire sur Kipoya, ils vont le faire. Vraiment, ils vont le faire. Et même si l'interface, imaginons, elle soit catastrophique pour eux en termes de design et d'ergonomie, bah, vu que le professeur l'a demandé, ils vont quand même y aller. Mais voilà, c'est pas du tout notre objectif d'avoir une ergonomie complètement naze. Bien sûr, on va toujours faire en sorte que ça soit très ludique et fun pour les enfants. Il faut savoir qu'on a été du côté des enfants, nous, surtout. Ouais. Et puis d'ailleurs, le directeur, Pierre Stein, nous a dit, en fait, il veut créer une note Kipoya, ouais, intégrée au bulletin. Et comment tu distribues, justement, parce que tous ces sujets d'éducation, c'est très complexe de distribuer les services. Alors, tu peux avoir un collège pilote, un professeur plus ou moins novateur, mais c'est quoi votre stratégie d'influence et de distribution pour les collèges et les lycées ?
On génère, en fait, nous, on a de la data déjà sur nos premiers utilisateurs. On sait, on peut démontrer avec des chiffres que les enfants progressent sur 2-3 mois avec des courbes très simples. Voilà, ça fait 3 mois que l'élève utilise Kipoya. Voilà, il avait tel niveau dans telle notion, 3 mois après, il est là. Mmh. Oui, c'est assez convaincant. En fait, il nous faut surtout avoir les premières écoles, je pense. Donc, les deux grosses références, là, on en a déjà deux bonnes. Et après, on a toutes les stats sur la progression des élèves et on a énormément de graphiques. Enfin, sur Kipoya, c'est assez hallucinant. De toute façon, c'est statistique. Hein, à partir du moment où l'enfant il travaille tous les jours une notion et que, en plus, il n'arrive pas à cette question, et ben, il risque de pas déverrouiller ses applications. Il va forcément lire la leçon. Donc, obligatoirement, ça rend le travail efficace et les écoles adhèrent à ce concept-là. Donc, voilà, je pense que c'est d'abord un problème d'avoir les premières références, c'est chose qu'on est en train de réussir. Et voilà. Après, on est toujours ouvert à d'autres idées pour diffuser l'application, ça c'est sûr. Non, mais pour moi, c'est le sujet clé. Hein. C'est là où tous les services éducatifs se sont heurtés. C'est que le marché français de l'éducation, il est extrêmement long à pénétrer. Que souvent, des services, du coup, se disent qu'ils vont aller aux US parce que ça va être beaucoup plus simple d'obtenir une taille critique. Et c'est là où où vous avez toute la difficulté pour avoir cette taille critique qui va vous permettre d'avoir un business qui soit opérable à un moment. Vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui ? Et Ils font des sessions tous les jours, ça varie entre 40, 50, 60 utilisateurs. Ouais, ça dépend du moment, il y en a qui font des sessions que le week-end, il y en a qui que la semaine. On voit aussi une saisonnalité. On en a eu juste avant la reprise des cours en septembre, on en a eu juste avant les vacances là en octobre. Ça varie. On n'a pas assez de recul pour vraiment... donner une moyenne d'utilisateurs. Une moyenne. Et juste un petit détail aussi, dans certaines familles, c'est devenu commun. Genre, est-ce que tu as fait ton Kipoya ? Mmh. Ah, c'est bon, c'est... Quand j'ai pitché à mes filles tout à l'heure le concept, elles m'ont dit, mais maman, ça ne peut pas exister un truc pareil. C'est trop dur, c'est trop méchant. Ouais. Mais bon, elles vont devoir adopter, je pense. Ah, c'est ça, on s'adresse surtout aux parents et évidemment, on rend l'expérience agréable quand même pour l'enfant. Il y a beaucoup de bonifications, des badges, des classements, qu'il y aura. Enfin, il y a des jeux, c'est surtout des mini-jeux en plus et on parle, attention, de 5 à 10 minutes d'exercice. Donc, c'est pas la mort hein, pour les enfants, pour les rassurer. Et vaut mieux ça, je pense, que s'engueuler tous les jours avec son père pour garder son téléphone. Quoi. Ça sent le vécu. Voilà. Le nouveau pacificateur de familial. Exactement. On est arrivé au bout de votre temps, on est arrivé au bout de la soirée, tant bien que mal, j'espère mieux que mal d'ailleurs pour vous tous. Est venu le moment pour nos invités peut-être de nous donner leur coup de cœur de la soirée. Simon, Stéphanie, avant de vous laisser profiter de ces soirées de folie durant le confinement, est-ce que vous avez ce soir un coup de cœur ? Qui veut commencer ? Allez, j'y vais tant que j'ai de la raison. Alors déjà, merci aux trois équipes. Vous êtes tous à des stades de démarrage très haut encore de vos entreprises. Donc bravo pour ça parce que vous avez choisi une voie qui est dure, qui est celle de l'entrepreneuriat. Il va falloir être résilient, positif. Donc c'est pour ça que moi, j'ai envie de vous encourager tous les trois avec un petit coup de cœur quand même pour Sama et Ariatech. Je pense que ton marché, Sama, il est plus large que celui des hôpitaux, même si c'est un bon marché test, et que tu as la chance de pouvoir mettre en application tes compétences de science et de technologie appliquées à une entreprise. Donc, pour cette raison, tu es mon coup de cœur ce soir avec Ariatech, Sama. Merci beaucoup Stéphanie. Simon ? Écoute, pas beaucoup d'originalité de ma part parce que moi aussi c'est Sama, mon coup de cœur. Je trouve que c'est non seulement une très belle mission, mais en plus portée par une entrepreneuse qui est très très loin de sa zone de confort dans ce qu'elle va devoir affronter dans les prochaines étapes. Donc je suis vraiment de tout cœur avec toi. Ça ne veut pas dire évidemment que je déconsidère les autres participants, mais clairement j'ai envie ce soir de t'encourager de manière un peu plus spéciale que tout le monde. Parce que j'aime beaucoup la philosophie de ce que tu fais et je sais que tu as des gros gros challenges devant toi. En plus, t'es solo founder comme on dit, donc doublement difficile. Donc bon courage dans le next step et si tu cherches
des gens avec lesquels échanger au fur et à mesure de ton parcours, n'hésite pas à prendre contact avec Sista, qui est l'association à laquelle j'adhère et que je soutiens, dans laquelle je fais un peu de coaching et de mentoring occasionnellement par ailleurs, et qui vise à améliorer l'accès au financement aux équipes féminines, et qui saura probablement te mettre en relation avec des gens qui pourront te conseiller et t'apporter au long de ton parcours. D'accord, merci beaucoup Simon. Merci Samar, merci à toi. Bravo à toi. Merci. Bravo à tous. À tous, bravo à tous, à toutes, et merci d'avoir sauté avec nous dans cette nouvelle aventure des Battle Pitch avec quelques bugs, mais on a été ravis de partager ce moment avec vous tous. On a eu à peu près 50 personnes qui ont regardé le live, énormément de commentaires, et donc du coup, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus sur les réseaux sociaux. Il y a plein de Stéphanie, tu pourras aller jeter un coup d'œil, je crois qu'il y a plein de coucou pour toi. Il y a beaucoup d'encouragement pour tout le monde aussi, donc bravo. Et merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine Pitch Battle. Oui, et vous pouvez rassurer votre communauté que vous avez mobilisée ce soir et on les remercie aussi. La semaine prochaine, on essaiera de bien se servir d'Evan Bright. Oui, alors, je pense qu'Evan Bright a un peu eu un souci, mais peut-être que c'est moi, donc voilà. On fera attention pour donner les bons liens au bon moment et aux bonnes personnes. Ça peut aider. En tout cas, merci à tous les deux de cette initiative. Ouais, merci à vous et merci beaucoup pour l'invitation. Merci et bonne soirée à tous les pitchers. Bonne soirée. Ouais. Merci à tous. À bientôt.